J'attends depuis une couple d'heures, aveuglé par les néons. C'est là l'entrée du bord d'Uxter. Les grandes lunettes épaisses et noires qui sont parchées au bout de son nez laissent deviner des yeux charognards qui chassent un sujet à dévorer. La tête un peu d'embrume, les yeux dans graisse de pine. Je me sens lâche, je me sens heureux. Le doc tranquille sort son égouine. Assis, je me divertis jusqu'à ce que soit passé l'idée de me soumettre aux supplices de pensée. M'ébâche dans ma propre complaisance jusqu'à ce que soit atteint le confort. C'est que sur la quête des consciences, c'est à la partie de et cette astide vie qui se dans l'évacuité, le contentement de l'essence, l'illusion de l'extase, l'excès de l'insignifiance. Le doc me fend la tête en deux, puis m'installe une belle peinture. Le crack qui griche devant les yeux, la vie des riches, leur peinture. Je sens ces grands gants noirs qui dans le fond de ma tête. Le bloc est en forme qui accélère, il vide ses vidanges à gros temps. Je me sens vivre pour la première fois, alors que mes sentiments deviennent suite à l'écran. Je me plains à mépriser ces ratés, pour qui je vote si souvent et qui finiront par me faire vivre de grandes émotions lorsqu'enfin sont étalés leurs bas essais en direct à la télévision. Incapable d'opinion, la pensée que la chose sur mon front, se sentir investi d'une grande mission. Continuer la diffusion de lui par et pour le capital et la demande générale. Venir les vagues de mon archevêque, la parole des porte-feuilles pour maintenir l'aliénation. Les grosses michelines assises seules à leur salon.